Le sceau du diable 2, qui Jean Stan Dupac, l'interprète d'Hugo. Ce lundi 7 novembre, dès 21h10, les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir la suite d'un téléfilm à succès sur cette même chaîne, Le sceau du diable 2, Le sentier des loups. Il s'agit d'un téléfilm français, en deux parties, réalisé par Julia Seri. Dans cette nouvelle série, le personnage de Paul Villard accompagne sa fille et un groupe d'adolescents lors d'une immersion en pleine nature organisée par l'armée. Mais le groupe est pris en otage par des mercenaires. Paul est alors soumis à un affreux chantage. Pour cette suite du sceau du diable, les premiers personnages du téléfilm seront de retour. Notamment Philippa, Profilage, et Maïra Schmitt, Léo Mattei, La Faute à Rousseau. Ils reprendront respectivement les rôles de Paul Villard et de sa fille, Sarah, à leur côté. Les téléspectateurs pourront retrouver Sarah morte en sang, Astrid et Raphaël, dans le rôle de Gabriel Martineau ou encore Benjamin Baroche, ici tout commence. Dans la peau de Mathias Caron. Enfin, d'autres acteurs seront également présents dans cette série. Comme Robin Minier, Zoé Errant, Laurette Nissan, Scotty Bernard ou encore Jean Stan Dupac, qui incarnera le jeune Hugo. Le jeune acteur est né le 5 juin 2003. Ce dernier a assisté à une formation de la comédie au conservatoire. C'est en 2013, à l'âge de 10 ans, que Jean Stan Dupac commence sa carrière d'acteur. Il interprète son premier rôle dans un court-métrage baptisé Zygomatique, aux côtés d'Alexandre Astier. Depuis ses 11 ans, en 2014, il s'est lancé dans le doublage. Il a prêté sa voix au personnage d'Ubin. Dans le film d'animation Le Chant de la Mer et dans la série américaine Rack. Entre 2015 et 2020, Jean Stan Dupac a incarné de nombreux rôles dans divers films et séries. Finalement, en 2021, la carrière du jeune homme prend de l'ampleur. Il interprète Digo dans l'épisode d'Allumer le camping de la série Camping Paradis. Aux côtés de Patrick Puydeba et Linda Hardy. Mais ce n'est pas tout, il incarne également Lucas Villeneuve dans la mini-série Mensonges avec Arnaud Ducret et Audrey Fleurot. Une belle carrière qui se profile pour le jeune homme, avec probablement, d'autres rôles à venir.